Alors salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette euh, nouvelle vidéo sur WordPress Addict. Je suis Sylvestre Aossetien et dans cette vidéo nous verrons ensemble comment configurer la restriction de contenu sur WordPress. Alors suite à mon dernier tutoriel qui euh, démontrait comment créer des espaces membres sur un site WordPress, j'ai eu euh, le commentaire d'un abonné qui me demandait justement comment euh, voilà créer des restrictions de contenu sur son site internet. Je partirai donc de cette dernière vidéo afin de vous montrer comment configurer la restriction de contenu sur WordPress et donc les visiteurs par exemple les visiteurs n'auront pas immédiatement accès à par exemple un article de blog ou à une page donnée de votre site sans s'être préalablement inscrit ou sans être connecté sur votre site. Alors, chers amis, si ce sujet vous intéresse, j'aimerais vous inviter à soutenir la chaîne en likant cette vidéo et en vous abonnant. D'accord Cela fait énormément plaisir, cela me motive à faire davantage de tutoriels de ce genre. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. On se retrouve sur le tableau de bord. Alors, comme vous pouvez le voir ici, nous sommes sur le tableau de bord WordPress. D'accord Et là, euh, j'aurais besoin d'installer un plugin. Alors, donc là, je vais sur Extension, je clique sur Ajouter. D'accord Et ici, je vais tout simplement au niveau de la barre de recherche. Hein, je cherche Content Control. Donc, voilà euh, l'extension qui nous intéresse ici en première position. Donc, je vais tout simplement l'installer. Et ici, je vais l'activer. Nous avons ici Content Control. D'accord Et pour le retrouver là, je, je viens sur euh, l'onglet Réglages. D'accord Et là, vous voyez que j'ai Content Control. D'accord Donc je clique dessus. Et donc voici l'interface de Content Control. D'accord Alors la première des choses à faire, c'est que vous voyez ici, j'ai créé une page, juste pour euh, l'exemple, hein? j'ai créé une page nommée Page abonnée. Page dont je vais restreindre l'accès, d'accord euh, Tout simplement aux non-inscrits, aux non-abonnés de, de mon site. D'accord Mais bon, pour faire cela, je vais tout simplement ajouter un, un contenu. Hein? Voilà, un contenu rapide. Donc là, je vais modifier avec Elementor afin d'ajouter une image et du test. Et donc, euh, je vais restreindre l'accès de cette page-là aux visiteurs. D'accord Donc, euh, je reviens ici donc dans euh, Content Control. OK. Et je vais cliquer ici sur Ajouter une restriction. OK. Donc là, je suis, vous voyez, là, nous avons trois onglets. Général, Protection, Contenu. D'accord Donc, je viens au niveau de, de général. D'accord Et euh, voilà, il y a ici euh, le, le test de la restriction. Et comme test pas défaut, nous pouvons lire page réservée aux utilisateurs connectés. D'accord Donc, euh, moi, je ne vais pas y toucher parce que je veux faire plutôt de la redirection vers la page de connexion. OK Donc, ici, euh, qui peut voir ce contenu Les utilisateurs connectés. D'accord Donc, là, c'est... Donc ici nous allons euh, choisir euh les rôles hein, qui peuvent euh, voilà accéder à ce contenu donc je sélectionne ici le subscriber ça c'est pour les abonnés de mon site maintenant pour les autres euh, c'est à dire euh, l'administrateur et ses collaborateurs d'accord euh, voilà vous sélectionnez moi je vais juste sélectionner administrateur mais si vous avez un éditeur etc vous voulez attribuer euh, l'accès d'accord donc moi je sélectionne l'administrateur pour moi et ensuite euh, le l'abonné D'accord Donc après avoir fait cela, je viens sur Protection et ici, je sélectionne l'action de protection. D'accord Ce qui se passe, est-ce que je voudrais afficher un test ou est-ce que je voudrais faire une redirection Moi, je choisis la redirection. D'accord Donc euh, là, je vais tout simplement sélectionner la page de redirection, c'est-à-dire la destination. OK Donc la destination ne peut qu'être autre que euh, la page d'inscription au site. D'accord? Donc voilà, lorsque le visiteur arrive qui n'est pas inscrit sur le site et qu'il essaie d'aller sur la page, il sera immédiatement redirigé vers la page d'inscription. D'accord? Donc ici, je vais tout simplement sélectionner la page d'inscription euh, que j'ai là. D'accord? Vous voyez bien s'inscrit. Voilà. Et puis je fais ajouter. D'accord? Ou. Vous avez le choix euh, vous choisissez la page de connexion de toute façon sur euh, la page de connexion il y aura le lien pour euh, l'inscription également donc je sélectionne plutôt la page de connexion d'accord donc nous avons la page de connexion ne vous en faites pas ici si j'ai ou comme c'est tout simplement parce que j'ai c'est un alias que j'ai créé d'accord pour pour un tuto ou commerce et tout donc euh, voilà le lien c'est ceci D'accord L'adresse du site slash connexion. Donc ça va. OK. Et une fois sélectionné, je viens maintenant sur contenu. Donc ici, dans l'onglet contenu, je vais sélectionner maintenant euh, le type de contenu auquel je voudrais restreindre l'accès. Donc ici, il s'agit d'une page. Donc euh, voilà, je sélectionne une page sélectionnée. Et là, je sélectionner ma page. Et c'est bien la page abonnée. D'accord Donc je la sélectionne. Et là, je fais ajouter. Donc, ma restriction a été ajoutée. Là, je vais mettre le nom de la page. D'accord Voilà, je mets à jour. Vous voyez là, j'ai ça ici. Et donc, vous avez mon site ici. OK Si je vais sur la page abonné j'aurai assez tout simplement parce que je suis connecté en tant qu'administrateur alors euh, maintenant je vais ouvrir la navigation privée d'accord afin de vous montrer euh, voilà la, ce qui se passe et là je vais cliquer sur la page abonné et vous voyez que j'ai directement été redirigé sur la page se connecter d'accord donc voilà chaque fois que je clique sur abonné n'étant pas connecté ou inscrit, eh bien, je n'ai pas assez à cette page-là. Donc si j'avais préalablement un compte créé sur le site, je pourrais facilement me connecter. Sinon, voilà, je peux cliquer ici sur créer un compte. Et il y a ce pop-up là qui s'ouvre, d'accord, et euh, qui me permet de créer un compte, de m'inscrire sur le site. Donc là, je clique sur se connecter, d'accord. Et donc euh, voilà, ici, j'insère mon adresse mail. Je clique sur ce souvenir de moi et je fais se connecter. Voyez ouais, là, je suis connecté. Je suis redirigé vers la page compte. D'accord Donc à présent, je suis bien connecté. Donc je reclique euh, maintenant sur la page abonné. Et vous voyez que j'ai à présent accès à la page abonné en tant que subscriber, en tant qu'abonné. Alors, chers amis, l'étape suivante c'est de restreindre l'accès à un article de blog. Là nous sommes sur la page blog et vous pouvez voir que nous avons deux articles. Le premier c'est l'article par défaut de WordPress. Bonjour tout le monde. Et le second c'est ce que j'ai créé pour le test. D'accord? Donc si je clique là sur le lien lire la suite, vous verrez que j'ai deux paragraphes dans mon article. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je reviens donc ici sur Content, euh, content Control d'accord et euh, je vais ajouter une restriction donc euh, ici d'accord je vais euh, mettre article donc réservé aux utilisateurs connectés voilà je sélectionne euh, comme euh, tout à l'heure l'administrateur et le l'abonné je viens sur euh, protect je viens ici sur protection d'accord donc euh, je sélectionne euh, euh, voilà l'action OK cette fois-ci, ce sera un message personnalisé. OK. Donc, euh, afficher euh, des extraits au-dessus euh, du message d'accès. D'accord Donc euh, oui, remplacer euh, le message par défaut. Je voudrais qu'il y ait l'extrait, un extrait, d'accord, de l'article du blog avant euh, qu'il y ait euh, la restriction voilà, qui demande à se connecter ou à s'inscrire. Donc voilà, je sélectionne ça comme cela. D'accord. Je vais maintenant sur contenu. D'accord, et là je vais euh, dans contenu. Là je vais tout simplement chercher le contenu. D'accord, donc c'est un euh, pardon, c'est pas une page, c'est un article. Voilà, un article à sélectionner. Donc là je sélectionne l'article en question. D'accord, donc c'est l'article test. Ok, et si vous voulez euh, ajouter un autre article, vous pouvez également le faire ici. D'accord, donc vous pouvez ajouter autant d'articles que nécessaire. Donc euh, voilà, ici, d'accord, je reviens donc dans protection, je vais cliquer là, d'accord, pour euh, tout simplement inscrire le test, ok, qui euh, indique à l'utiliser au visiteur qu'il doit forcément devenir un abonné, s'inscrire pour pouvoir euh, accéder euh, à, à l'article de blog. D'accord? Donc euh, là, je peux mettre... Euh, ce article est réservé aux abonnés. Et ensuite, je mets se connecter ou s'inscrire. Du coup, ce que je vais faire là, c'est tout simplement d'aller chercher le lien de la page de connexion. D'accord Donc voilà, là, je je copie tout simplement la, la phrase se connecter ou s'inscrire. Et je viens ici pour insérer un lien. Donc, euh, j'insère le lien de la page de connexion. Et je valide. Ici, je mets à jour j'enregistre les modifications donc on verra maintenant ce qui se passe euh, en mode navigation privée donc là je suis en mode navigation privée d'accord si je clique ici sur blog ok j'ai mes articles de blog je clique sur lire la suite et donc vous pouvez voir que voilà j'ai une restriction il y a euh, un extrait de l'article qui s'affiche suivi de trois points de suspension. Ensuite, j'ai le message qui m'indique que l'article est réservé aux abonnés. Ensuite, j'ai le lien Se connecter ou s'inscrire. Et lorsque je clique dessus, je tombe immédiatement sur la page de connexion. Donc euh, voilà, celui qui a déjà un compte peut cliquer, euh, enfin peut remplir le formulaire pour se connecter à son compte. Et celui qui n'en a pas peut simplement cliquer ici sur Créer un compte, d'accord, et compléter le formulaire afin de créer son compte. Donc là, si je clique sur Se connecter, d'accord, je vais là ajouter euh, mon adresse mail. D'accord Se souvenir de moi, puis je fais se connecter. Donc là, je suis connecté et redirigé sur euh, la page compte. OK Donc à présent, je vais retourner sur la page blog et vous verrez que j'aurai désormais accès à l'article de blog. Voilà, en entier. Donc voilà, chers amis, nous venons euh, tout juste de restreindre l'accès d'une page et d'un article de blog sur un site WordPress, d'accord Aux visiteurs et accorder l'accès aux, aux abonnés. Allez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous à la chaîne WordPress Addit et partagez au maximum afin de me soutenir. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.